On a vu cette nuit que Donald Trump avait fait marche arrière sur l'affaire de l'immigration en signant un décret pour qu'on ne sépare pas les parents des enfants. Ça vous avait choqué, cette histoire, où vous dites il faut en passer par là pour faire une politique d'immigration efficace ? Je crois que Donald Trump maintient son cap de la fermeté en matière migratoire. La séparation entre les parents et les enfants, elle existait aux États-Unis depuis de très nombreuses années, bien avant même que Donald Trump soit président des États-Unis. Et appliquée ? C'est lié, oui, elle était appliquée. C'est lié à la situation particulière de la frontière mexicaine. Et évidemment, ça n'est pas souhaitable. Évidemment qu'à chaque fois que c'est possible, il faut faire en sorte que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents.